Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, l'homme le plus attaqué, mais jamais abattu. Toujours combattu, mais je suis toujours là. Les gens qui ne comprennent pas mes émissions, les gens qui ne comprennent pas mes analyses, s'il vous plaît, évacuez ma page. Ici, c'est la place de la vérité. Je ne suis pas ici pour dorloter les fans de quelqu'un. Je suis ici pour faire mes propres analyses et les analyses ne regardent que moi. La chasseuse sang de Fally Ipupa, c'est une chasseuse zouk. D'abord, si tu veux faire des belles analyses, il faut commencer que c'est une chasseuse zouk. Nous avons Fer Egola, pyromane, c'est une chasseuse zouk. Adieu, Inosbi, zouk. Maintenant, quand vous voulez faire des comparaisons, vous les Waro qui ne comprenez pas vraiment les choses. J'ai toujours dit Fally a de belles chansons. Des chansons comme Liputa, Service, Aflaé, Maria PM. Il y a beaucoup. Ça pour ça, Love, je pense. Il y a beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons de Fally Ipupa. Des belles chansons. Mais aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Fally, puisqu'il a des belles chansons, qu'il est plus mieux que tout le monde. Ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Ne venez pas sur ma chaîne et puis commencez à me donner des leçons morales qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, on a la chanson 100 de Fally Ipupa. Si on veut aujourd'hui faire la comparaison vraie, sans cacher les mots, on met la chanson pyromane qui est aussi zouk comme la chanson sans de Fally Ipupa. Qui a une belle chanson. Si on compare sans de Fally Ipupa et pyromane de Fer Egola, il n'y a pas match. Pyromane, c'est la plus belle chanson de tout le temps que le Congo n'a jamais eu. Mais les gens comme ils ne sont pas qu'ils ne comprennent. Moi, j'ai dit Fally est bon. Il a des visibilités plus que Fer Egola. On les télécharge plus que Fer Egola. On l'achète plus que Fer Egola. Mais quand il s'agit de composition, Fally a de belles chansons. Mais Fer Egola, là où il est parti aujourd'hui, la chanson comme Regarde-moi, pyromane. Jamais, je dis encore au grand jamais, Fally pourra reproduire de telles chansons. Jamais. Si aujourd'hui on donnait même 1 million à Fally Ipupa, 1 million de dollars, on lui dit de chanter la chanson Regarde-moi, il ne sera même pas capable. C'est ça des réalités que vous ne comprenez même pas. Si on disait, on donnait même Fally 1 milliard de dollars, on lui disait de reproduire la chanson textuellement comme elle est de pyromane, Fally ne peut pas. Pourquoi? Puisque ils ont des Fally n'a pas une voix vraiment rock par rapport à Fer Egola. Quand on voit les textes même de pyromane, la chanson pyromane elle-même, puisqu'elle n'a jamais été décryptée par des Congolais, mais la chanson pyromane, quand on voit les textes, mettez maintenant les textes de la chanson sans de Fally Ipupa et puis comparez. Comparez les textes et puis vous saurez parmi les deux quelle est la vraie chanson, la meilleure chanson, qui a le tube. Pour moi, je dirais c'est Fer Egola. Bien que Fally ait plus suivi, plus acheté, mais n'a pas que de meilleures chansons. Il peut avoir de bonnes chansons, mais pas de belles chansons des fois. Quand vous venez sur ma page, espérant que moi je vais dire des mensonges, parce que la chanson 100, elle est sortie nouvelle, elle est aimée par des Wario, je vais dire qu'elle est belle, vous vous trompez. Si vous êtes sur ma page pour de tels comportements, donc vous n'êtes pas intelligent, puisque moi je fais des analyses intellectuelles. Je n'ai pas besoin d'1 million de personnes pour regarder mes vidéos. Je ne vis pas de Facebook. Je ne vis pas de YouTube. Je fais mes vidéos comme je veux. Celui qui veut regarder, il les regarde. Celui qui ne veut pas, il laisse. Ce sont mes idées. Alors, Fally, qui vient de sortir Gold, Tokos Gold, aujourd'hui, il y a des chansons. Celui qui écoutait les chansons, l'a écouté. Quand je dis que Fally est devenu PPTE, c'est parce que je n'ai pas parlé des albums Rumba. Je n'ai pas parlé des albums Rumba. J'ai parlé des albums urbains. La façon dont Fally chante aujourd'hui et la façon dont
les choses évoluent dans le monde urbain, Fally tape toujours à côté. Puisqu'il ne voit, Fally n'a pas de texte. Il n'a pas de texte, des textes fondés qui peuvent attirer les gens. Il n'a pas de texte, de textes fondés. Regardez Ferrego là, qui n'a pas de visibilité par rapport à Fally Ipupa. Mais quand il s'est donné à faire de la musique urbaine, il est venu avec la chanson comme « Regarde-moi ». Qui n'a pas aimé la chanson là? Après cela, il est venu avec Pyromane. Qui n'a pas aimé Pyromane? Quand on dit que Ferrego là, il n'a pas de force par rapport à Fally, c'est la force de visibilité, c'est la force de vente. Mais par rapport à des compositions, par rapport à des belles chansons, des bonnes chansons, les chansons de bonne qualité, attention, faire aussi à de la bonne qualité de la musique. Quand je parle, je fais mes analyses qui sont propres à moi, ça ne regarde pas les Gaulois, ça ne regarde pas les Wario, ça ne regarde pas Fally, ça ne regarde pas Ferré. C'est ma façon de voir les choses. Quand tu viens sur ma page, tu m'appelles villageois, j'accepte, mais villageois plus, qui est plus civilisé que toi. Quand on va commencer à se parler de la vie passée jusqu'aujourd'hui, vous qui m'appelez même avec des noms là, là où je suis arrivé dans ma vie, vous n'y serez peut-être même pas. Là où je suis passé dans la vie, je ne vais même pas parler de ça puisque c'est de la merde quand je parle, je vais me comparer à certaines personnes ici. Fally, avec la chanson 100, il est sur Google Ads. Il a fait la compétition avec Dadju, les gens qui ne savent pas. Puisqu'ils ont fait la même ils ont fait sortir des mêmes chansons le même jour. Mais Dadju, il est venu avec, comme il est, la chanson King. Fally, il sait que il n'aura pas la même force avec Dadju. Il a fait recours au Google Ads. Loin de là, de la compétition, si on comparait aujourd'hui, Fally qu'on a toujours appelé King, champion d'Afrique, partout. Si quelqu'un est champion d'Afrique, c'est qu'il est déjà champion de son pays, de son propre pays. Maintenant, aujourd'hui, Dadju a un passeport congolais. Maître Gims, passeport congolais. Et l'autre là, le métier là, il est au Congo. Il a aussi, c'était congolais. Tous ces gens-là que je vais décider, Maître Gims est congolais, la rempli Stade de France. Fally, toi qui es champion d'Afrique, vous les Gaulois, les Wario, pour ce que vous voulez, vous ne voulez pas des réalités. Quand je vais relater de telles réalités, je ne sais pas si vous êtes capable même de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que Nazo Matisabino m'a foutu à quoi? Dadju, la façon dont il chante, la façon dont il vend ses œuvres. Vous allez comparer ça avec Fally, champion d'Afrique, Dadju congolais, Maître Gims congolais, il a rempli le Stade de France. Partout où il passe, au Maroc, partout où il joue, il fait des concerts, là où même Fally ne peut pas bouger. Fally a plus de fans sur les réseaux sociaux que tous ces gens-là, que Maître Gims, que Dadju. Mais la façon dont Dadju, Maître Gims, vend les CD de musique sur les réseaux sociaux, c'est par semaine, ils ont toujours des disques d'or. Pendant que Fally, champion d'Afrique, celui qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, il ne parvient même pas à vendre 50 000 pièces. Et puis vous allez me dire que vous allez me donner les leçons morales, vous allez venir m'insulter sur ma propre page, sans réfléchir, sans même avoir vision de loin. Le métier que je disais, c'est Mombi. Mombi qui ne parle pas beaucoup, un artiste bourré du talent, qui a eu même disque de platine, je ne sais pas, des platines en Amérique latine. Il joue au Congo, il fait des spectacles en Europe, il fait des trophées en Amérique latine. Fally, champion d'Afrique, tu as eu combien de trophées? Fally, champion d'Afrique, tu as eu combien de trophées internationaux? Non, je ne sais pas comment on dit. Là où Mombi passe, est-ce que Fally peut y arriver? Là où Dadju arrive, est-ce que Fally peut y arriver? Là où Gim se passe, est-ce que Fally peut même bouger?
Quand vous dites les champions d'Afrique, Olem, quand il part à Côte d'Ivoire, il part au Tchad, il part au Bénin, on doit les supporter, on doit l'appeler King, puisque c'est notre produit congolais. Mais quand il s'agit entre Congolais, et Congolais, on va voir qui est bien, qui est mauvais. Fally, il n'est même pas au niveau, côté champ, comme ça, il n'est pas au niveau de Bina Filé. Fally n'est pas au niveau de Ibrator. Fally n'est pas au niveau de Fabregas. Fally n'est pas au niveau de Eric Otanabe. Fally n'est pas au niveau de Inosbi. Fally n'est pas au niveau de Fédégola. Quand il s'agit de chanter, Fally est vraiment moins. Fally est moins. C'est ça la réalité. Fally est chanceux. Fally est chanceux. Là, ce n'est pas lui qui fait la musique. La musique l'a fait. Il est chanceux. On doit le féliciter pour que c'est son étoile. Dieu a voulu que cela soit ainsi. On doit le féliciter. On doit vraiment le protéger puisque c'était produit congolais. Mais quand on a... Quand on veut comparer les produits congolais entre eux, on ne peut pas mettre Fally, les premiers produits congolais, puisque Kofi Olomide est là, Werrason est là, Maître Gims est là, Dadju est là, Mombi est là, aujourd'hui est Inosbi. Donc on doit faire la compétition de tous ces musiciens-là pour savoir qui est le meilleur, qui est le deuxième et qui n'est pas le meilleur et qui est le dernier. Ce n'est pas seulement à vous, les Wario, de venir donner les gens une imposition, de nous imposer la personne que vous voulez qu'il soit le champion d'Afrique. Vous lui faites champion d'Afrique. Même le trophée d'Afrique centrale, il a des difficultés à les arracher. Il a seulement des Afriques. Afrique est comme ça, Mais champion d'Afrique, il n'a même pas vu. Il a eu champion, il a eu trophée d'Afrique francophone, même pas anglophone, il n'a pas fait ça. Mais comment peut être champion d'Afrique? On l'aime, mais si on veut critiquer Fally, on va vous faire voir beaucoup de choses que vous ne savez pas sur Fally. Mais on ne le fait pas, puisqu'on n'a pas besoin de montrer seulement des coins négatifs, au moins seulement des coins positifs de chaque artiste congolais. Aujourd'hui, Inosbi fait la fierté de la musique congolaise avec son album Mortel 6. L'homme qui a su vendre Mortel, si le boom playing, le boom playing, c'était plateforme comme Spotify. Là, il a plus de 600 000 écoutes par mois. 600 000 écoutes. Inosbi là-bas. Pourquoi Fally n'est pas là-bas? On ne veut pas commencer à parler de n'importe quoi. Ici, c'est la place des analyses sûres et pires, organiques. Je ne fais pas de longues vidéos. Mais demain, je vais faire la détail de la vidéo ici. Je vais détailler la vidéo que je vais de vous montrer aujourd'hui. Restez toujours connectés à la chaîne des Chroniques du Net TV. Puisqu'ici, c'est de la vérité. Ici, c'est de la réalité. Je vous aime trop. Bisous à tout le monde. Bye.